Allez, je tenais à vous faire partager une autre évolution de l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle vous demande de jouer avec elle, parce qu'elle s'ennuie. On va devoir dessiner des choses. Je dois dessiner un tambour, j'ai moins de 30 Je secondes. vois étang, ou piscine, ou table, ou seau. Oh, je sais, c'est tambour. Je vois tuyau d'arrosage, ou escalier, ou flying saucers. Je vois pick-up. Oh, je sais, c'est automobile. Je vois rondelle, ou pain, ou mag, ou coupe. Je ne suis pas sûre de ce que c'est. Je sèche. Oh, je sais, c'est tasse à café. Je vois brosse à dents, ou haricots verts, ou banane. Oh, je sais, c'est carotte. Je vois cercle, ou enclume. Oh, je sais, c'est donut. Je vois cercle, ou lune, ou boussole, ou cookie. Oh, je sais, c'est rapace nocturne. Oui, alors il a utilisé TensorFlow pour connaître des images ou des dessins qui sont caractérisés et les dessins ont été enregistrés et puis il classifie de cette manière-là et il crée, grâce à cette classification, dès qu'il trouve une réponse aléatoire qui correspondrait. Et puis si lui il a la réponse au départ, il utilise l'échantillon test qu'il a, la réponse qu'il a pour pouvoir comparer avec la sortie. C'est Google qui a fait ça, hein. C'est marrant. Hein. Donc si vous ennuyez, je vous mets le lien en commentaire, vous saurez comment on peut s'amuser avec une intelligence artificielle.